Bonjour à tous. Rapide tuto pour vous montrer comment activer automatiquement l'access point de votre téléphone quand vous rentrez dans votre Tesla Model 3 et désactiver cet access point quand vous sortez du véhicule. Donc déjà, première chose à faire, activer en permanence le Bluetooth de votre téléphone puisque c'est celui-ci qui conditionnera le fait que l'access point s'active ou se désactive. Donc on lance Tasker. Bon, au préalable, moi j'avais déjà la tâche de créer, donc je vais vous la supprimer pour que vous puissiez voir comment la créer. Donc voilà, vous arrivez dans l'application, celle-ci est vide, vous cliquez sur plus pour ajouter un nouveau profil, état. Ensuite on veut contrôler un réseau, un périphérique Bluetooth, et là on veut que si on se connecte à la Model 3, voilà, là on peut faire retour, on a créé le profil. On va créer une nouvelle tâche. Donc si le téléphone est connecté à la Model 3, on veut pour cela ajouter une nouvelle tâche. Et donc on veut dans le réseau activer le relais Wi-Fi. Donc là on va le mettre sur activer. Voilà, on fait retour. Donc là on a créé la tâche, on fait retour. Donc voilà, là en gros le profil c'est si la Tesla Model 3 est connectée à notre téléphone en Bluetooth, alors on active l'access point du téléphone. Et on voudrait faire la même chose que quand on quitte le véhicule, notre Tesla se déconnecte du Bluetooth du téléphone et donc ça éteint l'access point du téléphone. Donc pour cela, on va rester appuyé longtemps sur relais Wi-Fi. On va ajouter la tâche sortir. On ajoute une nouvelle tâche. On valide ici. On ajoute une nouvelle tâche et là pareil, réseau, relais Wi-Fi. OK. Mettre sur désactiver. Et on fait retour, retour. Voilà, notre tâche est créée et terminée.